Salut à tous, c'est Chirika, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Lego Pirates des Caraïbes. On est arrivé sur le dernier film de ce jeu, alors c'est le quatrième, donc du coup on est reparti pour à peu près 5 épisodes avant de finir le jeu Lego Pirates des Caraïbes. Donc après je ne sais pas s'ils ont rajouté des extensions etc. par rapport au dernier film, mais bon. Bah pour le moment, c'est le dernier film que moi j'ai en Lego Pirates des Caraïbes. En tout cas, cette aventure commence à passe quand même assez vite. Et vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me suivre. Et ça, c'est juste génial. Parce que moi je prends un réel plaisir à te faire toutes ces vidéos. Je prends un plaisir à te faire des... maintenant je te fais des lives en même temps, je te fais des vidéos sur le côté. Et en plus de ça, je suis en train de gérer la chaîne secondaire. On m'a dit que sur la chaîne secondaire, on posait pas beaucoup de... pas beaucoup de vidéos. Par contre c'est normal, en fait la chaîne secondaire, on a dit qu'on faisait une vidéo toutes les semaines ou tous les 15 jours. Donc quand on a beaucoup de contenu, on va t'en faire une par semaine. Et quand on n'a pas beaucoup de contenu, on va essayer de t'en sortir une tous les 15 jours. Et voilà, on peut pas non plus se permettre de sortir des vidéos tous les jours sur les deux chaînes réunies. En même temps, Kaiko, y a sa vie de son côté et moi de mon côté, j'ai la mienne. Donc on peut pas non plus arrêter de vivre pour juste pour sortir 50 millions de vidéos différentes. Je pense que avec le temps, tu vas vraiment kiffer ce qu'il va avoir sur l'autre chaîne. Après Chirika, normalement Chirika, il va continuer à tourner, mais je peux pas te dire non plus que voilà, le gaming ça va être toute ma vie. Si je peux faire quelque chose d'autre, tu vois, et puis vraiment prendre mon pied quand je fais des vidéos, il n'y a pas de problème. Le gaming pour moi ça va rien dire. Maintenant. Voilà, le gaming c'est une passion que j'ai et j'ai pas envie non plus d'arrêter tout ça. Mais n'hésite pas à aller voir la chaîne secondaire, même si les vidéos il n'y a pas beaucoup de vidéos dessus, il n'y en a que 4. Mais je pense que tu peux vraiment prendre ton pied dessus. Tu peux vraiment kiffer. Parce que déjà juste nous en faisant les vidéos on kiffe mais à mort. Donc là je te raconte même pas quand tu vas arriver dessus, il y a certaines vidéos. J'ai eu des retours comme quoi il y a certaines personnes, ils ont regardé la vidéo plusieurs fois. Parce que ils ont tellement kiffé qu'ils ont dû la revoir encore une fois. Et ils s'en lassent jamais, tu vois. Et quant à ce genre de commentaires, je te dis, ça te donne le smile, ça te donne envie de continuer, ça te donne envie de pas décevoir les gens. N'hésite pas à aller faire un petit tour, franchement ça nous fera extrêmement plaisir. Le lien sera dans la description et en même temps si tu attends la fin de cette vidéo, je vais te mettre le petit logo là
où tu pourras cliquer directement pour accéder à la chaîne secondaire. Et tu me verras même chanter du Johnny. Et je balance pas, mais Kaiko il s'est déguisé en femme. Alors là, je sais pas ce qu'il faut faire. Alors avec le... avec les Lego, bah, comme j'ai dû déjà te le dire dans d'autres vidéos, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. T'arrives, t'as pas de petit truc où il faut que tu vas là, tu vois. Si, les seuls petits trucs où c'est indiqué, c'est quand tu dois tirer avec un canon. Mais sinon, tu te démerdes. T'essayes d'avancer. Mais tu te démerdes vraiment, tu donc chier. Et en plus de ça, c'est que t'as des gardes qui sont en train de te tirer dessus. Donc on va essayer de sauter sur le truc qui se balance. En espérant que je vais y arriver quand même. Sans crever, ça serait bien. Wow. Quand tu fais ça, des fois tu tournes en rond pendant 5-10 minutes si tu t'énerves facilement. Voilà, pose le jeu. Parce que tu vas vraiment chercher pendant longtemps. Comme là, tu vois, j'ai fait un petit cut, j'ai enlevé 5 minutes déjà de la vidéo. C'est des vidéos qui durent normalement super longtemps. Mais j'essaie de te faire des cuts pour accélérer les choses. J'essaye pas de t'enlever non plus des passages importants. Mais voilà, quand tu vois que je tourne en rond, que je ne trouve pas du tout ce qu'il faut faire, là oui, tu vois, je vais faire un petit cut. Bah comme je t'ai expliqué dans la précédente vidéo. Et ça va être pareil pour Call of, ça va être pareil pour... Maintenant, ça va être pareil pour tous les jeux que je vais te faire. Les trucs pas intéressants, je vais te les enlever. Enfin, je vais te les enlever, c'est quand je tourne vraiment en rond que je trouve rien. Là, pour le moment, tu vois, je viens d'arriver dans une nouvelle pièce. Là, je te le laisse. Mais quand il faudra vraiment faire plus de cuts, je vais pas me gêner. Ah, ça fait peut-être beaucoup plus de travail pour moi. Mais après, je m'en fiche, tu vois. À la vidéo, j'ai pas envie non plus que ça soit pas intéressant à regarder. Après, si c'est pas intéressant, ça sert à rien de la faire, tu vois. Alors je ne dis rien, mais après après Call of Duty, il y a déjà le futur Let's Play qui va arriver. Je pense que ça va pas te faire de... ça va pas te décevoir, ça va te faire peut-être plutôt plaisir. C'est un vrai jeu, c'est un putain de bon jeu. Je l'ai commencé et franchement c'est un pur délire quoi. Bah c'est un pur kiff le jeu, c'est... vraiment tu te fais pas chier dessus. Là t'as des trucs au sol, donc il faut que tu casses faut vraiment tout casser pour pouvoir construire les choses. Si je peux pas construire, c'est que j'ai pas tout bien cassé.
pour toutes les personnes qui décident de jouer avec moi sur, sur PlayStation ou sur Xbox, n'hésitez pas à m'envoyer des messages avec vos PSN, etc. ou vos gamer tags. Moi, normalement, il n'y a pas de problème, tu vois. Après, il ne vient pas non plus m'envoyer 200 000 demandes. Si je réponds pas, c'est que voilà, c'est que je peux pas. Mais sinon, j'essaie de jouer avec tout le monde. D'ailleurs, j'ai joué avec pas mal de personnes déjà. Et ça fait que d'augmenter. Le nombre de personnes avec qui je joue, ça fait que d'augmenter. Donc, n'hésite pas à m'envoyer en commentaire ton PSN ou ton gamer tag, je te rajouterai moi-même. Et quand j'ai une petite place dans une partie ou même dans un live, vu que je fais beaucoup de live zombie, comme on m'a déjà dit, si j'ai de la place, je vous inviterai. Sauf si après j'ai décidé d'être en solo pour faire quelque chose. Comme là j'essaye de faire un record de manches en solo, et voilà, j'espère le battre, et si j'arrive à le battre, franchement ça va me faire plaisir. Enfin, tu le verras par toi même si j'arrive à le battre, et je crois que je vais être en surkiff. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Jusque-là, ça va plutôt bien. C'est pas évident du tout. Okay. Ça va, en tout cas, c'est pas le jeu le plus compliqué quand tu dois battre un ennemi. C'est voilà, c'est déjà pile deux fois sur ta manette, c'est bon. L'ennemi est déjà mort, donc c'est pas ça que tu dois te soucier. C'est vraiment passer sur les petits trucs. Vu que tu peux pas tourner ta caméra, souvent tu tombes dans le vide. Là, tu sautes de charrette en charrette.
ça va, c'est pas trop dur dans la charrette à côté de toi, c'est pas comme si que. Non, franchement, ça va, tu vois. C'est juste tu sautes au bon moment, bah, y a pas mal de jeux où tu dois faire ça. Donc, franchement, niveau difficulté, y'a pire. Si tu veux voir, après ce let's play là, si tu veux voir un autre jeu Lego, ou tu t'en fous totalement, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Parce qu'après Call of Duty, il va avoir un jeu, ça c'est déjà décidé. Mais après, je sais pas si tu veux, si je fais un second let's play, je sais pas si t'aimes bien l'aventure Lego. Je peux continuer l'aventure Lego, d'ailleurs il y a Lego Star Wars. Par exemple, que je peux faire. Voilà. Si t'aimes bien ça, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. J'essaierai de le faire. Puis en même temps, tu vois, ça me permet d'alterner. Au moins, c'est pas toujours la même chose. T'inquiète pas, je vais continuer le Call of, je vais continuer le Rocket League sur le côté. Et des matchs, voilà, des multijoueurs, des matchs à mort, zombie par exemple. Enfin le zombie je préfère le faire en live. Au moins c'est mieux, tu vois. Tu peux avancer, voilà, tu fais ta partie, t'as pas besoin de te soucier de tous les détails. Mais c'est vraiment pour les let's play. Après je sais pas s'il y en aura un troisième ou un quatrième, je sais pas. Mais voilà, c'est vraiment ce que j'aimerais. Voilà, j'aimerais bien que tu donnes ton avis sur le prochain. Si après le Lego là, t'aimerais bien en voir un second. Si tu voudrais que je mette autre chose à la place. Et par la suite, je referai un Lego. Enfin, c'est comme tu veux, tu vois, il n'y a pas d'importance. Là, on doit battre celle qui se fait passer pour nous. Je sais pas si vous vous souvenez du film, mais elle est plutôt pas mal. Je sais pas ce qu'il faut faire. Mais je réfléchis, des fois je parle pas parce que je suis en train de réfléchir et franchement c'est vraiment la misère. Une fois qu'elle est sur son tonneau, tu peux pas la toucher.
Le fait que de passer dessus, tu perds facilement. Il faut trouver un moyen pour pouvoir la faire tomber de son tonneau pour lui enlever le dernier point de sa vie. Avec ça, mais je suis pas sûr. Après, s'ils ont mis ça, c'est pour que ça serve à quelque chose, enfin je pense. C'est la fin de cette vidéo, merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout, ça m'a fait extrêmement plaisir de te la tourner. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Chéri.